kwana biyu da masassara ban samu magani ba ranar uku ni zo an ka tura ni mada ni kaita akai mini magani dinga bakwai sun ni ta samu lahiya cikin bakwan nan yanzu da sun ka sako mu sun ban ni magani wanda zan ci gaba ina bata ta samu lahiya da biscuit dinta yakin nan duk sati sun ce a zan zuwa ana amso mata shekara ta bana abinci ba mu da shi wanda muka ci yanzu sai mun zo daji mu tsamu mu zaka mu shanya mu hige shi haka mu shanya in mun samu rana mu sussuka mu daka in ba mu samu rana ba mu aje har da wansa haki ya an yi rana mu sussuke mu sheke sannan mu daka Niger, c'est un pays où il y a beaucoup de cas de malnutrition. Mais maintenant, si ces mal nourris font encore la malaria, ça devient beaucoup plus compliqué. Quand un enfant fait la malaria, il refuse de manger, il refuse ceci. Et déjà, cet enfant est malnutri. Nous, on veut à ce qu'on lui donne parfois des aliments pour manger. Mais si il ne veut pas manger, alors sa maladie se complique davantage. Raison pour laquelle, pendant cette période, non seulement on va avoir des enfants qui sont normonutris, qui font la malaria, on va aussi avoir des malnutris qui vont venir beaucoup plus parce qu'ils ont attrapé la malaria. Moi, j'ai eu la chance plusieurs fois d'aller vers les villages où il y a les engins palus, de voir comment est-ce que les mamans viennent avec leurs enfants. L'avantage de ce programme, c'est que dans ce village-là, les mamans ont un grand problème. Elles doivent s'occuper des enfants, mais elles doivent aussi s'occuper de l'alimentation de toute la famille. Donc, c'est les champs. Maintenant, le pécadome donne la solution. Donc, au lieu que la maman se préoccupe d'aller au champ, elle a déjà dans son village quelqu'un qui peut prendre en charge l'enfant. Donc, elle va aller chez l'agent palu qui soigne l'enfant rapidement et lui donner le temps aussi d'aller s'occuper des activités du champ. La chimioprophylaxie saisonnière est très importante pour le pays comme le Niger où le paludisme sévit d'une façon épidémique pendant une période. Pour lutter contre ça, toute cette période où on constate qu'il y a beaucoup plus de cas de palu, on peut faire la chimioprophylaxie, c'est-à-dire donner, distribuer aux enfants les antipalidéens, mais pas les enfants qui sont malades, ceux qui sont encore sains, pour que ces enfants ne fassent pas soit la forme grave de paludisme, soit encore qu'ils ne fassent pas carrément le paludisme.